aussi, je vous demande de faire l'exercice 7A de votre livre de mathématiques. Quel enthousiasme! Enfin, cet exercice contient des pièges, alors attention. Chaque année, il pose de gros problèmes aux élèves. Soyez vigilants. Oh, je vais encore avoir une mauvaise note. Comme à mes deux derniers devoirs où j'avais eu 2 et 3. Dis-toi que tu progresses, Claire. Je dois surtout pas rater ce devoir. Mon père m'a promis une nouvelle robe si je maintiens ma moyenne. T'as entendu ce qu'elle a dit? Tous les ans, c'est la cata. Si on connaissait quelqu'un qui avait déjà fait ce devoir, on pourrait récupérer le corrigé. Dommage que je n'ai pas de grand frère. Hé! Hey, mais j'en connais une qui en a un. Martine, attends! Dis, ton frère était bien avec Delphine l'année dernière? Oui, pourquoi? Ben, pour le corrigé de l'exercice, il doit l'avoir. Tu voudrais pas me le donner? Tu pourras copier dessus toi aussi. Quoi? Tu veux qu'on triche? Ne compte pas sur moi. Ma pauvre Martine, t'es vraiment trop nulle. Elle manque pas d'air quand même. Tu viens avec nous, Martine? On va faire nos devoirs ensemble. Ah, désolée, je ne peux pas. Je dois faire les courses pour Madame Huguette. Elle a encore mal au dos. Ah, ta bonté te perdra, Martine. Merci. Oh, c'est vraiment très gentil de faire mes courses, Martine. Oh, c'est rien. Ça me fait plaisir de vous aider. Bonjour, Madame Huguette. Bonjour, Martine. Bonjour, Tante Mathilde. Oh, waouh, il est super joli, ton bracelet. C'est la dernière mode à Tokyo. Bonne journée. Elle adore la mode, ma tante. Elle a voyagé partout. J'aimerais bien être comme elle plus tard. Oh, en parlant de mode, j'ai un cadeau pour toi. Je l'ai tricoté pour mes filles, mais je ne sais pas pourquoi elles ne le portent jamais. À toi, il t'ira très bien. On peut dire que tu as une tête à chapeau. Il te plaît? Oui, beaucoup. Merci, Madame Huguette. Oh, elle est émue, comme c'est touchant. Comme ça, chaque matin, lorsque tu iras à l'école, j'aurai la joie de voir mon bonnet admirablement porté par la plus gentille des petites filles. Hein? Quoi? Il va falloir que... Enfin, que je... Je veillerai à ce qu'elle ne le quitte jamais, Madame Huguette. Ça lui va tellement bien. Tu en as de la chance d'avoir une si bonne amie, Martine. À quoi tu joues, là? T'as envie de m'humilier, c'est ça? Tu sais très bien ce que je veux. Les corrigés de ton frère. Je t'ai déjà dit non. Tant pis pour toi. C'est pas moi qui vais devoir porter ce machin partout et tout le temps. Wouhou! J'ai trop hâte de voir la tête des autres à l'école. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venue te chercher pour aller à l'école ensemble. C'est pas du tout ton chemin. Pour une amie comme toi, je suis prête à faire un grand détour. Tiens, tu mets pas ton joli bonnet? Madame Huguette va être tellement déçue quand je lui dirai. Oh, c'est du chantage ce que tu fais, Émilie. Oh, tout de suite les grands mots. C'est pas du chantage, c'est... Ah ben si, en fait c'est du chantage. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Si tu veux que j'arrête, je te donnerai jamais les corrigés. Comme tu veux. Alors dans ce cas, on met son joli bonnet. Regarde, j'ai même apporté mon appareil photo. Allez, on sourit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un gâteau, mais très vieux et très moisi. Ça lui va bien, hein? Bonjour. Coucou. Mais pourquoi tu ne lui dis pas que tu ne l'aimes pas? Ça lui ferait bien trop de peine. C'est bon, là, elle te voit plus, tu peux l'enlever. Oui, elle pourrait, si elle me donnait les corrigés. Non, Émilie, je ne céderai pas. Très bien. Madame Huguette! Chut, c'est bon, d'accord. Allez, allez, on se dépêche, on va être en retard à l'école. Qu'est-ce que je t'avais dit? Un vrai succès! Allons, allons, les enfants! Oh!
Écoute, Martine, si tu dis rien à Madame Huguette, Émilie ne te lâchera jamais. C'est impossible, je ne peux pas, ça lui faisait tellement plaisir de me l'offrir. Alors tu dois donner les corrigés à Émilie. À ça, jamais. Est-ce que tu réalises qu'en ne disant rien à Madame Huguette, tu lui mens? Hein? Comment ça? Ben oui, tu lui fais croire que t'aimes son bonnet, c'est un peu de l'hypocrisie, non? C'est même de la triche. Oh, mais c'est horrible. Alors dis-lui que son bonnet est moche et que tu veux pas le porter. Et pourquoi vous ne m'apprendriez pas, vous? À quoi? Ben, à dire la vérité, même quand elle peut blesser. On peut toujours essayer. Oui! Encore son affreuse purée de brocoli. J'ai horreur de ça. Tiens, bah ça peut être un bon exercice pour toi, Martine. Bonne idée. Tu vas lui dire que t'aimes pas sa purée et que tu n'en mangeras pas. Allez, vas-y, fonce, on te regarde. Oh. Tiens, goûte, tu m'en diras des nouvelles. On sent bien le goût du brocoli. Ah, je le savais, ma purée est la meilleure du monde. C'est au-dessus de mes forces. Mais t'aimes ça au moins, le brocoli? Non. Fallait lui dire, Martine. Je suis désolée, les filles, j'ai pas pu. Faut dire qu'il est tellement fier de sa purée. Allez, c'est pas grave. On va te trouver un autre exercice. Bon, tu vas le voir. Et si Alain te demande ton avis sur son dessin, tu lui dis vraiment ce que tu penses. Si tu ne trouves pas ça terrible, tu lui dis, mais gentiment. T'as compris? D'accord. Je vais essayer. Comment tu trouves? C'est... En tout cas, ton soleil est bien rond et le jaune, bien bien jaune. Waouh! Merci Martine, t'es géniale. T'aimes toujours mes dessins. Oh non, pas dans le fumier. Berk, c'est dégoûtant. Cette fois c'est simple, tu dois juste lui dire qu'il est sale et qu'il sent mauvais. Et rappelle-toi, c'est un chien. Et un chien, ça ne se vexe pas, ok? Oh, patapouf. Gentil mon chien. Oui, aussi un on démissionne, Martine. C'est pas un coach qu'il te faut, mais un magicien. Ou alors, Émilie. Elle, au moins, elle se gêne jamais pour dire ce qu'elle pense. Émilie? Vous êtes sérieuse? Tu devines bien que je ne vais pas t'aider pour rien. Alors là, demande-moi tout ce que tu veux, mais pas les corriger. Je crois que t'as pas bien compris, Martine. Soit tu acceptes et grâce à moi, tu arrives à dire la vérité à Madame Huguette, soit tu t'entêtes et tu portes ton joli bonnet toute ta vie. En gros, t'es coincée. Bon, d'accord. Je te donnerai les corrigés. De faire des affaires avec toi. Et comme je n'ai qu'une parole, je vais t'enseigner l'art de dire des vérités qui blessent. Ah non, celui de pouvoir dire la vérité même quand ça ne fait pas plaisir. Oui, bah c'est pareil. C'est très simple. Il suffit de repérer les faiblesses des autres et d'appuyer dessus pour que ça fasse bien mal. Quoi? Mais c'est horrible. Je ne pourrais jamais faire ça. Mais si, fais-moi confiance, je te dis. Il nous faut des cobayes. Ah tiens, en voilà. Hé Simon, on t'a jamais dit que tu ressemblais à un serpent à lunettes? Hein? Et toi Nicolas, t'es ridicule avec tes culottes courtes de bébé. Hein? Et toi Sébastien? Eh bah t'as des cheveux de poussin. Eh, non mais tu t'es vu, toi-même. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais arrêter de fréquenter Émilie. Non, oh ben non, attendez, c'était juste pour rigoler. Bravo, tu vois, on est pliés de rire. Franchement, tu me déçois, Martine. Oh, mais c'est pas dire la vérité, ça. Ça, c'est être méchante. Jamais j'aurais dû accepter ton aide. Hé hé, trop tard. Tu devrais avoir honte. Oh, Martine, je vois que tu portes toujours mon bonnet. Oui, je le porte, votre bonnet de malheur. Je le porte parce que je suis obligée de le... Oh, pardon, je voulais pas dire ça. Je suis désolée.
Pardon. S'il n'était pas à ton goût, Martine, il fallait me le dire. Il ne te plaît pas, c'est ça? Ben, non, pas trop. Ça ne fait rien, ça ne me vexe pas. Ce qui me vexe, c'est que tu n'aies pas osé me dire la vérité. Oh, fantastique! Merveilleux! On dirait un Samantha Peak. Ça vient d'où? C'est moi qui l'ai fait. Vous savez, c'est la toute dernière mode à New York. Là-bas, tout le monde en porte. Ah oui? Je veux bien le porter, moi. Après tout, je suis celle qui est le plus à la mode ici. Eh, hein? Je lui dis que c'était une blague. Et pour finir, la copie de Mademoiselle Émilie. Quoi? Zéro? Mais j'avais le corrigé. Lorsque tu triches, Émilie, assure-toi de copier les bons corrigés, pas ceux de maternelle. Et enlève-moi ce bonnet ridicule. Ah! Quoi? Tu lui as pas donné les corrigés de Jean? Quand je suis tombée sur ceux d'Alain, j'ai pas pu résister. Eh, dis donc, c'est pas très gentil ça, Martine. Ah, tu vois comme tu veux. Tu sais mentir. En même temps, je ne lui ai pas vraiment menti. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. C'est tout. Oh.